des personnes seraient intéressées pour potentiellement la racheter ou me proposer un prix, n'hésitez pas à m'envoyer directement un message sur mon Instagram. Vous me dites que c'est concernant la moto, que vous souhaiteriez potentiellement la racheter, et vous m'envoyez votre prix. De toute façon, moi je pense que je peux la vendre entre 1500 et 2000 euros. Je pense que c'est le tarif, je pense que c'est le tarot, frérot. Salut les amis, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Oh là là, la derby, mais la folle. Les amis, aujourd'hui on se propose une toute nouvelle vidéo. Bon, on va se calmer. Les pneus sont à plat, il n'y a plus une goutte d'essence. Elle n'a pas voulu démarrer, il me restait un pauvre litre, même pas un pauvre litre d'essence, je l'ai mis. Et là, elle a démarré. Une derby, je vous le dis, ça démarra toujours. Donc là, on va à la pompe directement. On va essayer de voir s'il y a de l'essence. Parce qu'en ce moment, c'est la guerre. Donc à tout moment, je rentre chez moi sans essence. Et elle tournera plus la prochaine fois. Hein. Parce que dites-vous, j'ai mon bidon pour les motos. Et mon bidon de 40 litres pour les motos, frérot, il était vide à cause de la pénurie d'essence. Je faisais que de taxer le bidon. Eh, j'espère qu'on va m'entendre, les amis, parce que j'ai mis le casque cross. Regardez. Regardez la dégaine, moi j'ai aucune dégaine. Parce que tout simplement mon casque de route, l'attache GoPro elle s'est pété. Et comme je vous dis, des fois il y a des jours où il vaut mieux pas se lever hein. Si vous saviez tout ce qui m'est arrivé depuis ce matin. Alors qu'on est que 10h hein. 10h il m'est déjà arrivé au moins 3-4 dingueries hein. Là on va essayer d'aller mettre de l'essence. Ouah pétard, c'est quoi ce bordel? Les chameaux, ouah. Mais c'est quoi ce bordel ici? Putain, j'ai jamais roulé avec un masque. Franchement, ça me fait bizarre de rouler avec un masque. Hein. Bon, j'espère qu'il va y avoir du jus parce que s'il n'y en a pas, je suis dans la merde. Hein. Là, je m'en fous de le payer. J'aurais quand même le seum de le payer cher, hein, mais vas-y, frère, il m'en faut. Regardez, là, ça clignote. Là, ça clignote. Quand ça clignote, c'est-à-dire, frérot, c'est même pas un truc de réserve. C'est en mode, il te reste un litre, même pas, frérot. Grouille-toi. Si tu te grouilles pas, t'auras plus d'essence. Mes pneus sont à plat parce qu'en fait, si vous voulez. Ah, je peux pas vous dire. Mais voilà. Mes pneus sont à plat. Non, on me les a pas crevés. Hein. Donc je vais voir s'il faut que j'aille remettre un petit coup. À tout moment je coupe sec, il n'y a plus d'essence. Ah, elle marche toujours aussi bien hein. Je vais éviter de faire le kékos du coup avec mes pneus. Les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu directement avant que la vidéo commence. Si vous êtes content que la derby, il n'y a plus d'essence. La vérité qu'il n'y a plus d'essence. Mais là il est en train de remplir non? Il est en train de remplir le coup. Parce que attends, moi si j'ai pas de jus, je suis dans la merde. Hein. On va aller à une pompe où normalement il y en a. Si on n'a pas la pompe là-bas, déjà je suis en réserve. Donc je suis dans la merde. Et il y a moyen que du coup je tombe en panne si on n'a pas. Oh punaise. Les amis, cette vidéo, ça va être tout ce qu'elle devait pas être. Ça va être un bordel monstre. En plus, ça va bouchonner. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 200 000. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. J'aimerais pouvoir vous ramener une dinguerie incessamment sous peu sur la chaîne, mais il y a grave du retard et c'est pas de mon ressort. C'est pas moi qui veux ce retard. Alors là, par contre, on va se détendre parce que frérot, les ronds-points, les jeunes ronds-points calamineux avec mes pneus pas gonflés, on va se calmer. Hein. Oh, ça fait tellement bizarre. En ce moment, je fais que des vidéos off-road ou en voiture ou quoi, ou des présentations. Donc ressortir la bécane, ça me fait grave bizarre, mais qu'est-ce que je kiffe. Mais si je la ressors, c'est pas pour une mauvaise raison, les amis. Vous l'avez vu au titre et à la miniature, la derby est à vendre. Bon, alors attends, si vous voulez que je la vende sans la défoncer, faudra peut-être pas foncer dans un camion. Ça serait peut-être un petit peu plus pratique, frérot. Allez, allez, bouge de là. Allez, bouge de là. Allez, va-t'en. Voilà. C'est bien, laisse-moi passer, loulou. Ah, vraiment, cette derby. J'espère qu'elle aura une bonne vie, je vais essayer de tout vous expliquer mais sans tout vous dire les amis, je suis tellement heureux de la ressortir. Eh, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas roulé en moto et qu'est-ce que c'est un kiff franchement. Comme tu dois tout faire en voiture parce qu'il fait froid, là même là il fait, bon, il fait pas non plus 5 degrés tu vois donc ça va. Eh mais les distances de sécurité en moto ça respecte R hein. Eh, j'espère qu'il va y avoir de l'essence. Ah Coco elle marche toujours aussi bien hein. Petite Porsche devant je crois. Ah pour de l'origine ça marche bien. Elle a toujours le démon mais à tout moment elle se coupe. On va ralentir le rythme. À tout moment elle se coupe. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. C'est mon casque de cross les amis. À tout moment la vidéo elle est ruinée. J'aurai trop le seum. Ah mais qu'est-ce qu'elle marche cette derby. Hop y'a personne. Je peux me permettre de prendre le rond-point comme un putain de kékos. Mais j'ai pas envie de pencher. J'ai des pneus ils sont à plat mon ref. Franchement, c'est bien de rouler avec la petite 50, c'est un kiff.
Ah mais en casque cross les amis, c'est horrible à 50. Je suis obligé de crier, j'espère qu'on va m'entendre. Mais ceux qui roulent en casque de cross en 50, vous êtes des gros tarés. Mettez un casque de route, c'est le bonheur. C'est le bonheur, vous vous infligez mais un supplice de rouler en casque cross. Vous êtes des malades, des grands malades. En plus t'as aucune dégaine. T'as aucune dégaine sur un casque cross. Je suis désolé mais non, ça va pas du tout. Bon, j'espère qu'on va se trouver de l'essence là parce que sinon... Mais quand je vous dis qu'elle marche, allez, normalement il y en a, c'est la fête. On suit le petit GTI pour aller se mettre un petit peu de jus. Normalement il doit y en avoir, hein. Ouais, il y a personne, je pense qu'il devrait y en avoir. Là, faut... là de toute façon faut mettre le plein. Si on met pas le plein là on est dans la merde. Allez go. Oh, ok, normalement c'est bon. Ah ouais, le truc de crossman ça. Regardez la dégaine. Oh non, c'est horrible, j'espère qu'on va m'entendre. Bon alors, on va aller regarder ça. Hop. Du coup, je sais même pas combien il y a ici. Il doit être grave cher, en plus pour du 95. 1,62, du 80. Oh non, non. Oh non, j'en mets pas à côté hein, pour le prix que ça coûte déjà, frérot. On va y aller mollo, hein. Et en plus c'est un petit réservoir, c'est pas comme la voiture, donc on y va pas pleine poignée. Hein. En plus on va voir, parce que là du coup je suis réserve, j'ai dû remettre un litre. On va voir à combien on monte. Moi je connais bien, je pense que c'est un petit litre, on va les voir. C'est bien, moi je vais trouver 5 litres, c'est ça, j'ai même pas un litre. On va prendre le plein, parce qu'on laisse quelque chose, il faut vraiment laisser le plein. Ce que j'ai pas fait d'ailleurs, bon normalement 6 litres, oh putain il en faut encore partout. C'est tellement peu cher en fait que je me permets d'en foutre partout. Oh bordel, oh ça change de la voiture hein. Et ce petit logo qui s'enlève normalement, ouais c'est bon il est parti. Du coup on peut remettre les kilomètres heure. Les kilométrages à zéro. On peut remettre le masque fou frérot. Si vous voulez vous équiper vous avez moins 15% chez Maxxess avec mon code. Mais vas-y là c'est une dégaine pour sortir. J'ai mis le casque que je prends pour la CRF hein. Du coup là on va pouvoir tartiner à mort. Là toutes les destinations sont possibles. Nous avons le plein. J'ai juste du coup mes pneus à plat. Et une petite GTI hein. Elle est sympa. J'ai juste mes pneus à plat. Je vais essayer de me mettre là. Dites-moi si au niveau des pneus. Ah ouais, attends. Attends, parce que du coup, même la boîte, je la connais plus. Ça, frérot, c'est ça. Tu roules pas avec ta moto pendant longtemps. Et du coup, tu roules avec d'autres bécanes. On va regarder au niveau des pneus. Tu vois, l'arrière. Quand t'appuies. Bon, ça va, non? Quand je l'appuyais dans le garage, le pneu, il faisait. Bon, là, normalement, ça devrait aller. On va aller se faire quand même un petit tour. Je sais pas si on va aller se remettre de la pression de pneu. Franchement, je sais pas. Je pense qu'il faudrait, mais est-ce que j'ai la flemme? Potentiellement que grave. Je sais pas où je vais, je choisis au dernier moment ma destination frérot. Salut mon ref. Ah mais qu'est-ce que ça fait un boucan la derby? Quand tu roules en voiture frérot, tu fais chier personne. Tu sors la derby, c'est le fuego. Ouais, on va essayer de pas me faire hein. Ouais, ça serait bien hein. Oh là là, ça m'avait manqué les amis. Est-ce que vous êtes la team en hiver, je roule pas, elle reste en hibernage jusqu'à l'été, ou la team, moi je m'en fous, je fais de la moto de 1er décembre à 1er janvier, c'est-à-dire toute l'année, tu vois. Moi frérot, des fois ça me fait chier de la rouler quand vraiment il fait froid. Mais j'ai envie de te dire, à un moment, je la sortais même pour aller au lycée l'hiver, alors qu'il faisait mais froid de ouf. Donc on peut dire que je suis un motard des deux, tu vois. Bon, faut pas que je m'enflamme, hein. J'ai toujours pas le gros clip. Ah, j'adore vous teaser avec ça. Aujourd'hui, les amis, petite vidéo avec la derby. Ça fait zizir, ça fait longtemps. Franchement, comment ça change dans le trafic d'être en moto? Non, sans interdit. Mais non, pas sans interdit, ça. T'imagines, frérot, sans interdit? Mais non. Je sais même. Oh, comment j'ai glissé sur la bande blanche. Ouh. Ah ouais, attends, ça glisse à mort. Comme on est en moto, on peut griller le feu. Non, je rigole. Et du coup, les amis, si on perd des... Ça, c'est une vraie question. Si on perd des points, enfin, pas des points, mais comme c'est le BSR, si genre je me balade à 80 au lieu de genre de 50 et je me fais arrêter, est-ce qu'ils prennent sur le permis de voiture ou ils me laissent tranquille? Parce que là, tu sais, genre rouler en derby, c'est un bail à perdre le permis de voiture. Mais là, je pète mon crâne. Si c'est le cas, mais je pète mon crâne. Mais vraiment, mon pneu arrière... Bah, je pense que ça va encore. Ouais, désolé, j'ai mis un peu de temps à y aller, mais on se calme. Départ arrêté. Carrément, elle patine de l'arrière. Elle patine. Oh, la fusée, là. Elle a le démon. Elle a le démon. Trois mois, elle a pas roulé. Elle veut montrer qu'elle est encore là. Hein. Qu'est-ce que c'est bien, petite moto. Franchement, les amis, qu'est-ce que je vais regretter quand elle va partir. Parce que c'est avec cette moto que j'ai tout fait. Dites-vous, la chaîne YouTube. Oh putain, il embrouille au quartier. Cycliste écolo versus il embrouille.
Eh, je vous jure, il y avait embrouille là. Il y a eu une embrouille de ouf. Ouais, ouais, l'embrouille. C'est comme les écolos là qui se sont mis chez Porsche pour tout bloquer. Mais qu'est-ce que c'est des guignols ceux-là? Eh, j'ai vraiment pas confiance aux pneus arrière, les amis. Du coup les amis, il serait temps de vous énoncer, de vous dire la vérité, j'ai un kit sur la moto, c'est un kit 100% origine. Il n'y a pas une pièce de trafiqué, donc si vous voulez une origine qui marche, et bah n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et je vous donne la recette magique. C'est encore mieux qu'avant. Bon, c'est juste qu'à un moment, il faut s'arrêter. Quand t'atteins les 98, 100 km/h, faut te stopper parce qu'elle a un problème avec l'électricité. Enfin, en mode, c'est une intensité, en mode l'allumage. Je dis pas de conneries, hein, dites-moi en commentaire. Mais mon allumage ne supporte pas une certaine tension et du coup, au-dessus, elle coupe. Ce qui expliquait normalement les presserrages que j'avais eu avant. Normalement, c'est ça. Ça va, la route ici, elle est... Ah ouais, non. Là, elle est sec, là, c'est du pole dance. Je la fume! On s'accroche, on va décoller. Bon, nous revoilà dans le terre-terre. Oh, en plus, j'ai la capuche. Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai une sale dégaine. Hein. Oh là là, là, il y a les flics au rond-point, ils m'arrêtent, frérot. Casque cross, pas aucun équipement. Le motard fou. Ouais, merci, mon ref. Le jeune motard fou. Est-ce qu'il veut faire la course? Ah, il voulait pas. Ah là, là, je me fais arrêter cash. Hein. J'ai une vieille dégaine, grosse chaussette, t'as capté quand c'est l'hiver. Hein. Bon du coup les amis, là on va aller se balader, on va aller faire un petit tour, on va parler, on va discuter. J'ai l'impression que vraiment on va pas m'entendre tellement... Ou quand? Là là je vais mourir. Ah mais j'ai choisi la pire des vestes, mais j'avais oublié. Eh hey, t'es en voiture, t'es en t-shirt, tu mets le chauffage, t'es clean. T'es en moto, t'as le vent, t'as tout, t'as le bruit. Eh hey, mais on kiffe la moto. Mais là, froid. J'ai qu'une envie, c'est de passer sur le... Oh non, oh non, là j'ai trop d'envie. Oh mais la patinoire frérot. Horrible. Ah là j'ai envie de rouler frérot jusqu'à la mort avec cette moto. Vraiment si on fait un point hein. Parce que pourquoi pas faire une vidéo genre je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. On va s'arrêter quand même. Frérot c'est pas là, je perds tous mes points. On me supprime tout. Moi de toute façon je me mets dans l'espace vélo. Eh alors y'a quoi? C'est juste que je voulais faire un départ arrêté, c'est pour ça que je me suis mis là. Genre en mode, parce que du coup la derby ça doit faire bien 3 ans. On doit partir sur la... Non allez, on doit être sur 2 ans et demi. Mais on doit partir sur 3 ans, t'es pris le départ? Oh il était à chier, non. J'ai loupé mon départ, j'ai trop le seul. Parce que même sur le départ arrêté, elle marche. C'est un 600 bandit le bordel. Ah, en plus, tu vois, tu veux te gratter l'œil. T'as le masque, gros, tu peux même pas te gratter l'œil. C'est horrible. Mais vraiment, mais pire choix d'avoir pris ce casque. Non, il est énervé en cross, hein. Moi je le kiffe ce casque, il est trop confort hein. Mais en route c'est horrible. Du coup je disais, est-ce que vous souhaiteriez avoir une petite vidéo? Genre mon compte rendu, bah du coup de la derby, combien ça m'a coûté au total? La moto, les pièces, l'assurance, l'essence, je saurais pas vous dire. On va essayer de calculer avec le kilométrage, quoi. On fera un rapport kilométrique fou frérot. Putain il peut pencher de ouf lui. Si vous voulez ça je peux le faire, y'a aucun... Et on se fait un truc comme ça, je pense qu'en vrai de vrai ça peut être sympathique de ouf. Il y en a souvent ils font avec les grosses motos tu vois. Mais hey, nous on fait tout avec la derby. Sur le pont carrément tu peux dépasser, y'a aucun souci. Trop de puissance. Ah là là. Elle va me manquer hein. Elle va me manquer. Faut vraiment que je me gratte l'œil. Ah, dès que tu penses à un truc, faut le faire. Attends. Est-ce que ça... Mais non, ça penche pas là, je vais me péter la gueule. Je suis jamais tombé, je touche du singe hein. Et là, pneu dégonflé, frérot, à la mort, me pète la gueule. Ah mais je suis le pire. Qu'est-ce que ça doit être chiant d'avoir un mec comme ça derrière en moto. Bah là, là, ça a surexcité de la vie, c'est un gros taré. Au total on va essayer de calculer. Je l'ai eu, elle avait 11 000 bornes à peu près. Dites-vous j'ai pas roulé hein. Moi je suis un bébé rouleur hein. Moi j'ai un little rouleur hein. Moi elle me servait à faire les petites balades tu vois. Mais quand même à me déplacer avant que j'ai la voiture tu vois. Mais la voiture ça fait quoi? Le permis voiture ça fait 3 mois que je dois l'avoir, même pas. Je l'ai eu, elle avait 11 000 bornes. Ça fait que j'ai fait que 5 000 km. Dites-moi si c'est beaucoup ou pas. Moi je pense que c'est pas beaucoup hein. Parce que là avec la voiture, tu dis à 9000 bornes en 3 mois. Donc franchement je pense que elle a pas beaucoup roulé la derby. Elle est neuve dans le papier carrément. Là tu fais tomber un rapport, elle repart. Carrément tu fais des courses poursuites avec ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Constat. On se pète la gueule, constat. Oh putain. Ce que j'aime bien avec cette moto, c'est vraiment le fait qu'en bas régime y a rien. Et que d'un coup regardez, on va l'entendre partir. Là elle s'en va. Et dès qu'elle s'en va c'est le fuego. Dès qu'elle part, c'est fini. Tu peux pas la rattraper. Oh là, la route, elle est sèche. Eh, par contre, ça, c'est une habitude que j'ai gardé de la moto avec la voiture. Les dodanes, c'est 50. Rien à foutre. La voiture. Boum, boum. Les amis, est-ce que vous pensez que c'est rattrapable? Parce que j'avais essayé de nettoyer ma ligne d'échappement.
Dites-moi si possible avec ma ligne d'échappement. Attention, self-control frérot, j'ai sauté carrément. Un cheval de course. Si c'est possible de rattraper ma ligne, regardez, je vais vous montrer. Frost, ce qui est bien quand t'es à la campagne. Oh non, oh non, oh non, pire erreur, je vais pas me mettre là, je vais me dégueulasser. Je vais aller me mettre là-bas. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible de rattraper ma ligne? Attendez, c'est l'endroit pour vous faire un départ arrêté. Il y a personne devant, personne derrière. Alors qu'est-ce qu'on en pense du kit top origine frérot? Ah la vérité, kit top origine, ce que c'est ce brin. Oh là là. Regardez, dites-moi ce qui est possible de faire, vous pensez au niveau de la ligne. Hop hop, on se calme, on se calme. Regardez parce que ma ligne, elle est écaillée on va dire. Mais genre c'est pas encore de la rouille à mort. Oh putain c'est chaud. Ce qui est logique un peu. Mais genre de base elle était toute belle et tout. Et je comprends pas, elle dort à l'intérieur mais ça c'est le sel de la route. Parce que ouais, moi je roule en hiver, tu vois. Mais en vrai, dites-moi, je pense qu'il y a moyen que ça part. Il y en a qui m'ont dit qu'il y avait moyen que ça part. Soit du pec vaisselle ou de la... un petit peu de paille de fer, mais je suis pas sûr à 100%. Mais sinon, elle est clean de ouf, la derby. Elle est clean axe de ouf. Enfin, franchement, quel amour cette moto, quel amour. Moi, je m'attache à rien. Genre vraiment, même les meufs, tu vois. Allez, allez, je rigole, je vais me faire engueuler. Tu vois, mais genre, cette moto quand même, j'ai fait tellement de trucs avec. Ça va faire mal, tu vois, de la laisser partir. Mais... hey, bonne cause, bonne cause. Franchement, cette petite ligne, elle aura fait le taf de ouf. On dirait carrément le vendeur, il vient demain l'acheter. Les amis, vous inquiétez pas. Des personnes seraient intéressées pour potentiellement la racheter ou me proposer un prix. N'hésitez pas à m'envoyer directement un message sur mon Instagram. Vous me dites que c'est bah, concernant la moto, que vous souhaiteriez la, potentiellement la racheter. Et vous m'envoyez votre prix. De toute façon, moi, je pense que je peux la vendre entre 1500 et 2000 euros. Je pense que c'est le tarif. Je pense que c'est le tarot, frérot. Putain, ce champ. J'aimerais trop en avoir un comme ça. Juste pour mettre dans mon jardin, dans ma chambre. Un champ comme ça. Et immense. De toute façon, je pense que c'est les prix. Et il y en a, ils vendent leur bécane maintenant 2800 balles. Eh les mecs, c'est des 50. Calmez-vous. Donc voilà, si ça pourrait faire profiter quelqu'un, n'hésitez pas. Mon Instagram s'affiche à l'écran ou dans la description. Dans tous les cas, il est dans la description. Oh, il m'a pas laissé prendre l'inter. Oh non, le seum. Oh, un petit peu d'off-road. Attends, cette moto, frérot, elle a tout fait dans sa vie. L'off-road, c'est pas ça qui va l'arrêter. Ça, c'est ouvert, frérot, pour les courses-poursuites. Carrément, t'imagines, c'est pour ça. T'es là, t'es en folle course-poursuite. Attends, parce que ça, c'est un coup, je me pète la gueule à 200%. Même si on en a fait de l'enduro, hein. On a vu toutes les couleurs, celle-là. Toujours en pneu slick, hein. Sinon, c'est pas drôle en pneu cross, l'enduro, hein. Et je me suis déjà pété la gueule une fois à cette barrière. Dites-vous que c'est vrai, hein. Et je sais pas si c'était en vidéo. Je pense qu'une fois j'ai failli glisser. Et ça c'était en vidéo. Mais je suis arrivé là de l'autre sens, hein. Et avec la bordure je me suis rétalé. Elle est partie de l'avant. Et aucun dégât, aucun dommage collatéral. Neuf dans le papier toujours. Moi, vous inquiétez pas, je casse pas trop les oreilles. Du calme Johnny. Alors là c'est la rue des priorités mon ref. De toute façon, avec le boucan qu'elle fait, on m'entendra. Hein. Et la prochaine, elle fera un boucan multiplié par 5. Alors, on peut y aller. Oh, qu'est-ce que j'aimerais tester ça, attends. Un truc qui va à 50. Mais la vérité que c'est un... c'est... eh, hey, ça, il me retire le permis, j'achète ça, frérot, je mets la 110 derrière. Putain, lui, là-bas, il a un plateau, mon ref, tu peux ramener des avions, carrément. Eh, hey, mais le truc, là, Exam, c'était la marque Exam, c'est sans permis, on est d'accord. Eh, hey, mais on me retire le permis, j'achète ça, je mets la 110 derrière, frérot. Tout le monde se retourne, carrément. Bien sûr, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie. Je terrorise la ville avec ça. Ah là là. Et n'empêche, dites-vous, j'ai l'une des 50 qui fait le moins de bruit, hein. Moi, quand je roule avec les 50, ce que j'aimerais faire avant qu'elle parte, c'est vraiment un rasso. Mais pas un rasso comme j'ai fait sur le terrain de cross, du coup, vraiment un rasso pour les 50. Sauf que moi, je choisis les pires moments. À quel moment tu fais un rasso en novembre? Genre, tu vois, dans les trucs d'intelligence, moi, y a même pas le bas de classement pour moi, tu vois. J'ai deux de QI, mais j'aimerais bien faire ça avant qu'elle parte. Pour toutes les personnes qui l'ont pas vu, bah la voir, tu vois. Eh, hey, c'est quoi ce bordel, frère? Eh, hey, il se passe quoi, il est 11h? À quel moment ça a sorti des cours? À 11h, frérot. Moi, je fais du 8-18 sans s'arrêter. Y'a même pas de pause, carrément, tu manges en cours.
Oh putain, le Renault Kangoo. Eh hey, mamie, je te donne 200 euros, tu me le donnes. Putain, mais c'est quoi, frère? C'est le rasoir à 11h. C'est quoi de ces chômeurs? Eh hey, vous finissez les cours à quelle heure, vous les mecs? Moi, 11h, j'ai pas fini, hein. Et je suis loin d'avoir fini, hein. Ah, ils vont à la piscine, ça. Là-bas, t'as le collège. Ça, c'était le bail. Il y avait le bus pour la piscine qui t'attendait. Masterclass. Qu'est-ce que j'adore la piscine. Et encore plus quand il va avec l'école. Attends, il est au téléphone, on va faire exprès. Bah, non, ça va, je suis pas un connard. Et quand même, ceux qui ont cru que j'allais le faire, quand même, vous avez aucune race. Hein. Ouais, les mecs. Oh putain. Mais non, j'ai pas fait mourir. Mais non. Mais arrêtez. Je suis un pilote. Franchement, la piscine avec l'école, c'était le seul bail. Tout le monde, il essayait de voir la quéquette de tout le monde. Ah, mais moi, elle fait 9 cm. Surtout à cet âge-là, t'as une bistouille, elle est comme ça. Là pareil, c'est un autre truc. Je vous donne tous les chips. Quand je fais des courses poursuites avec la derby, bon, faut être un petit peu plus rapide. Hein. Mais à tout moment, frérot, t'arraches tout. Attends, normalement, ça passe. Attends, mais à la dernière course poursuite, je l'ai fait. J'arrache tout, frérot. Oh putain, m'a fait peur celui-là. Et là, tu vois, là, t'as plus les 5 étoiles de GTA, frérot. Ils sont derrière, seul tout. Ils peuvent rien faire contre toi. Au rupteur. Maman, là je remets les gaz, elle patine. Bon, attends, on va éviter de casser les oreilles. Oh, il y a plein de chevaux. On casse pas les oreilles, nous. Bonjour madame, y'a pas de... Tu vois, elle me fait un petit sourire. Ça se voit, cette jeune MILF, elle veut ma quiquette. Oh, elle cédait le passage, hein. Bah ouais, Ginette. On va pas me défoncer la gueule, hein. Net. Allez. Ça se compte à la femme de baisser un rapport, tu lui dis. Allez, je te pousse à y aller. Allez, on peut le faire. Allez, ouais. Et là, elle décolle. Et là, tu... Oh mon gars, comment j'ai décollé sur Dodan. Eh, j'ai senti l'arrière, ça SX. Le bordel, c'est un cross. Attends, c'est nouveau ça? Depuis quand il y a un jeune... Depuis quand il y a ça ici? Oh, qu'est-ce que j'adore, moi. Je casse les oreilles à tout le monde, hein. C'est mes freins qui font ça. Bah ouais, c'est depuis que j'ai mis du Brembo. Je vous l'avais pas dit, hein, mais depuis que j'ai mis du Brembo sur la derby, incroyable. Coucou. Putain, j'ai failli me manger du caniche à midi, moi. T'ouvres dans l'angle, carrément. Si t'es énervé, tu baisses un rapport. Évite de le faire à la volée, sinon tu vas casser la boîte. Oh putain. Qu'est-ce que c'est moche, les électriques, franchement. Tranquille, frérot, petite moto électrique. Et franchement, les amis, on vous propose d'échanger votre bécane actuelle contre une moto électrique. Genre une KTM électrique. Bon, après, si t'as une 50, va pas me dire que tu refuses la KTM électrique, ça vaut 7000 balles. Oh, le range fou, frérot, avec les deux LED à l'avant. Oh, le rêve. Tu regazes. C'est la moto GP. Je vais lui prendre l'extérieur. Regarde, hop, extérieur. Maman, il a rien vu venir. On baisse les rapports, ben, clignotant. Hop, on fait tout dans les règles. Je sais pas si vous le sentez, vous, le moment où elle va couper, quand elle prend les tours. Attends, là, on va décoller, si on prend pas. Prends les freins. Oh, putain. Ah là, frérot, c'était direction le toit de la maison. Oh non, je te jure. Eh, de toute façon, je suis grave bien, parce que mon permis voiture, je l'ai même pas. Genre, le seul que j'ai là sur moi, c'est le permis où j'ai que le BSR. Donc, s'ils m'arrêtent, ils me disent t'as le permis voiture, bah non, regardez, j'ai que le BSR. Parce que t'as un bail de... t'as 3 mois pour faire ta déclaration de permis. Moi, j'ai bien attendu la fin pour le faire, hein. Je suis vraiment un guignol. Mais il fallait faire des photos aussi. C'est quoi ce bail de tout le temps me prendre en photo? C'est bon, je sais que je suis beau gosse, mais quand même. Mais ça, dites-moi, mais les papiers, c'est la pire des choses à faire. Oh, attention, Raffaello sort le Rock Rider 340, écologiste de père en fils, et va faire une petite balade. Alors là, c'était pas Angelo, on rectifie. C'était Francis. Il est anti-motard, celui-là. Eh, mais tu vas pas râler, je suis en 6ème, je suis à 60, carrément. Position allongée, là c'est pour prendre la VMAX. Ah, la position folle. Carrément, tu mets les cale-pieds à l'arrière. T'es sur les cale-pieds à l'arrière. Tu fais ta pointe et on peut encore aller plus loin. Là c'est pour l'aéro. Ouais, j'arrête parce que la mamie derrière, elle va mater le boulard. Ouah, mais attends, mais moi je veux ça sur... Je veux un quad où il y a soit une remorque derrière ou une moto. J'accroche une remorque. Sur une moto c'est un peu plus chaud. Et tu fais des gros drifts, ça doit t'énerver. Ça, repos... Sur une derby, il y a le repose-pied intégré. Citez-moi une autre marque de moto où t'as le repose-pied intégré. Bah, en vrai, pour passer les vitesses, il te faut un grand bras, tu vois. Ou soit tu mets une corde et là, t'es là, commas, tu tires pour passer les vitesses. Pour rétrograder, ça veut plus la merde. Vous pensez que là, si on les croise, ils nous arrêtent comme ça ou pas? Non. Ouais, si, j'avoue. J'avoue, je pense qu'ils nous arrêtent.
Papi, 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 papi. Et regardez, en 6ème le rond-point. Bon, non, on va pas abuser. Hein. Carrément, dans les tours, dans les. Le virage, le regard. Tout est dans le regard. J'ai envie de refaire un départ. Mais c'est pour vous montrer qu'elle marche. Elle va me manquer, j'ai envie de la fumer. Position arrière. Pas mal, j'arrête plus. Elle va couper. C'est la transmission, elle prend pas l'essence, c'est la transmission, t'inquiète. Ça c'est le mec qui a toujours une raison mécanique. Oh merde. Oh merde. Mais non. Je les avais pas vus. Mais non. Merde. Attends, ils prennent le. Merde, attends. Attends, ils font demi-tour ou pas? S'ils font demi-tour, il faut se barrer. Oh, je sais pas si... I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to...